Attente. Que serait notre chagrin sans l'attente de la consolation Ce monde à venir que tu attends, ce temps qui vient et que tu espères, est déjà là dans ton espérance, dira le grand Maïmonide. Le monde à venir tient parfois dans un petit grain de poussière. Grain de sable dans le désert de Judée il y a plus de 2000 ans. On s'interroge comment continuer à vivre quand le temple de Jérusalem est régulièrement pillé et profané par des armées étrangères Quand aux révoltes succèdent les massacres des innocents Comment interrompre la catastrophe Depuis longtemps, l'attente est vive. Depuis le sang d'Abel. Depuis l'exil à Babylone. On répétait la même prière il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Chut, dit-on dans les rues de Jérusalem. Ne parle pas si fort de peur que les oiseaux n'aillent répéter tes paroles aux tyrans. Quand viendrait-il On ne sait ni l'heure ni le jour. À quoi le reconnaître Certains le voyaient roi certains guerriers, prêtres ou prophètes. On se souvenait de Saül, le premier roi consacré qui fut emporté par sa folie et son chagrin. On se souvenait de David, fils de Jessé, de Salomon et de leur royaume disparu. C'est à cette époque que l'on commence à appeler Messie, celui que l'on attendait. Mais tous ne l'attendaient de la même façon ni pour les mêmes raisons. On s'interrogeait depuis longtemps. Qui était-il Une étoile matinale La jeune pousse d'un arbre Le souffle de nos narines Un homme tourmenté et méprisé qui porte nos maladies L'ange de l'histoire, un ange nouveau qui rassemblerait les débris de la catastrophe Comment viendrait-il Les sages d'Israël répondent, Le Messie viendrait sans que l'on y prenne garde, comme une idée neuve qui jaillit, ou comme la piqûre d'un scorpion. On racontait que le prophète Élie avait reconnu le Messie parmi les pauvres et les malades, et qu'à la question, Quand viendras-tu le Messie avait répondu, aujourd'hui. Élie ajoutait, aujourd'hui, mais si vous entendez sa voix, ceux qui écouteraient l'humanité mendiante et rejetée, leurs frères blessés et malades, verraient le Messie. Le Messie peut ainsi entrer par la porte de l'histoire à chaque instant, si nous sommes capables de le voir et de l'entendre, parmi les oubliés de nos propres histoires. Le Messie, c'est lui qui t'attend, aurait ajouté Élie. Anima Mamine, je crois de toute ma foi à la venue du Messie. Et bien qu'il tarde, je l'attendrai. Et bien qu'il tarde, je l'attendrai. Bonsoir Frédéric Boyer, Bonsoir. merci à tous d'être venus, nous venons de, de commencer avec la diffusion de cette vidéo qui introduit très très bien le livre dont nous allons parler ce soir. Tout d'abord, je vais faire un petit rappel sur, sur qui vous êtes et ce que vous avez fait, Frédéric Boyer, donc vous êtes, vous êtes romancier, traducteur, éditeur. Éditeur, donc vous dirigez la maison POL depuis 2018. Euh, romancier, vous avez écrit de nombreux livres chez cette même maison d'édition POL. Et traducteur, vous aviez euh, en 2001 dirigé une colossale traduction de la Bible qui s'appelle Nouvelle Traduction chez Bayard. Euh, également, euh, les confessions de Saint-Augustin sous le titre Les aveux. Euh, et euh, plus récemment, c'est en 2015, je crois, vous avez traduit le Kama Sutra. Donc vous avez une passion pour les textes anciens de, de toutes sortes. Euh, et là, vous euh, venez nous présenter euh, ce soir deux livres. Euh, donc on va surtout parler de Jésus, histoire d'une parole, donc, qui vient de paraître chez Bayard, dont on a vu la diffusion d'un extrait. Et nous allons ensuite euh, parler aussi d'un autre ouvrage que vous venez présenter ce soir, qui s'appelle Sous l'éclat des flèches, qui est un recueil de chroniques euh, aux, aux éditions Bayard alors on va d'abord commencer avec jésus. Euh, il y avait déjà eu, euh, il y a quatre ans, je crois, euh, euh, la parution de la bible, les récits fondateurs chez bayard. c'était euh, quelque chose de très inédit, euh, de très beau, puisque avec jésus vous avez repris, euh, avec la collaboration avec serge bloch, le même, le même principe qui est de présenter le texte sacré, donc de la bible, euh, à travers des textes courts, Très poétique, euh, une réécriture accompagnée donc des euh, dessins de Serge Bloch. Et là donc vous avez, vous êtes euh, vous venez donc nous présenter ce soir Jésus. Euh, alors on a vu la diffusion donc pour ceux qui n'auraient pas encore lu le livre euh, on comprend qu'il ne s'agit pas d'une traduction. Euh, vous avez euh, réécrit me semble-t-il. Euh, L'évangile d'une manière beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle aussi. Euh, avec Serge Bloch, depuis, depuis euh, l'apparition de la Bible, je voudrais savoir, ce sera ma première question, quelle était votre idée, quel était votre projet en associant les textes, vos textes euh, et les dessins de Serge Bloch, qui sont des dessins euh, parfois qui sont abstraits. Où il utilise beaucoup de collages, euh, parfois euh, euh, des dessins de l'enfance, parfois un peu durs aussi. Euh, ce mélange donne une lecture complètement inédite. Euh, Qu'est-ce que, à l'époque où vous avez fait la Bible ensemble, quelle, est, quelle était votre idée C'était un projet un peu particulier, d'abord parce que c'était une commande. Euh, on n'a pas décidé tout de suite, tous les deux, euh, un soir en, en buvant trop de, de, de se lancer dans cette aventure. C'est une commande et c'est une commande euh, de film avant, avant le livre. Et c'était une commande euh, où on nous demandait de réaliser une série de petits films qui raconteraient les grands récits bibliques en quatre minutes maximum à chaque fois par épisode. Puisque l'idée est de les diffuser sur Internet, sur le web, sur Internet. Donc à l'époque, c'était même avant 2015 à l'époque, puisque on pensait que sur Internet les, 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 les films ne devaient pas dépasser plus de quatre minutes. Et euh, on découvre maintenant que c'est trop long. Bon, bref. Alors, alors on a tout raté, mais bon, c'est pas grave. Non. Donc c'était. Alors, au début, je me suis dit c'est pas possible parce que raconter en quatre minutes. Euh, par exemple, l'épisode de la création du monde ou du déluge, ou, bon, ou même pire, tout l'épisode de la conquête de la terre, Josué, les livres des rois, ça me paraissait impossible. Mais finalement, comme toute contrainte, enfin, toute contrainte a du bon et toute contrainte est un, est un élément de, 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 un peu excitant pour, pour créer quelque chose. Donc, on, sait, on a travaillé tous les deux. Et l'idée est toute simple c'est la même idée pour ce, pour ce nouveau volume. C'est-à-dire, ça n'est pas... On ne... On ne, on ne re-raconte pas vraiment les récits. Euh, on ne prend pas, évidemment, le texte... Parce qu'on aurait pu aussi prendre, faire une sélection, finalement, des, 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 euh, du texte biblique lui-même et l'adapter. Et bon. En fait, euh, d'abord, tout ça existe déjà beaucoup. Euh, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait raconter, nous, la façon dont, aujourd'hui, on lisait ensemble euh, ces récits-là. Voilà. Donc euh, effectivement, c'est une réinterprétation personnelle, comme vous l'avez dit, contemporaine, euh, de ces récits, en essayant de faire comprendre euh, pourquoi bah, il y a dans ces récits quelque chose toujours important qui peut nous toucher. Euh, qu'on soit confessant ou pas, d'ailleurs, puisque le projet lui-même n'est pas confessionnel euh, à l'origine. Hein, C'était même si il euh, y a des accents. Parce que, euh, donc on, on s'est mis, euh, voilà, on s'est mis, on s'est mis au travail. Et l'idée était que moi, effectivement, j'avais. C'est pas évident d'écrire un texte pour euh, pour des films aussi courts. Euh, donc je me suis mis au travail et, et Serge commençait à dessiner. Euh, et en même temps, le texte et les dessins euh, s'élaboraient ensemble, en fait. Donc, pour moi, ça a été une aventure. Moi, j'aime bien les projets comme ça, un peu, un peu bizarre et un peu exceptionnel, non pas euh, par leur résultat. C'est pas moi d'en juger, mais euh, par la, par la, par la fabrique même du projet. Euh, bon, donc. Euh, alors on a fait ce premier volume qui est une traversée en 35 épisodes des récits de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, et puis évidemment une fois qu'on l'a fait, on nous a demandé de, de, de poursuivre avec le Nouveau Testament, en sachant que c'est des questions nouvelles, voilà parce que alors bon ça enfin on va faire un peu d'exégèse historique, le, 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 <laughs> voilà le, 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 ce qu'on appelle le Nouveau Testament pose d'autres questions narratives. Euh, c'est un autre type de texte. D'abord, c'est une autre langue, hein, c'est le, le grec, euh, et puis c'est une autre tradition aussi, puisque c'est la tradition chrétienne qui a été le, euh, la, 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 celle qui a façonné euh, ces textes et leur transmission. Et puis il y a effectivement euh, voilà, ce personnage, euh, Jésus, qui est en quelque sorte le héros en tout cas de, 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 de tout cet ensemble, et il fallait. Il y avait deux écueils. Alors, je pense qu'on a réussi à peu près à les éviter. C'était faire une vie de Jésus en tant que telle. Il y en a beaucoup, il y en a plein. Et en même temps, euh, il fallait aussi euh, faire entendre la, la, la dire le, le lien, la continuité de ces récits avec les récits précédents. Voilà. Donc, on a, j'ai essayé de travailler là-dessus. Et après, effectivement, je me suis posé des questions euh, directes. À moi-même, c'est-à-dire comment raconter, euh, comment raconter cette histoire-là, comment raconter ces textes et, cette tra et toute cette tradition, euh, sans que ça soit effectivement une simple une simple vie de Jésus. Voilà. Donc là, on a vu le premier épisode. Donc c'est l'épisode qu'on retrouve dans le dans le livre. Euh, pour moi, c'était évident d'ouvrir, justement, de commencer. C'était vraiment la, c était, c était la première. Et donc, bah, cet épisode raconte, il s'appelle l'attente. Ça, ça a été, moi, mon premier moteur pour, euh, pour travailler. Finalement, c'est des questions assez simples. C'est, euh, qu'est-ce qui se passait euh, il y a un peu plus de 2000 ans et même avant, euh, 300 ans avant... Euh, avant, avant Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passait dans ce petit monde du Proche-Orient ancien et encore plus, encore plus resserré dans ces dans ces terres euh, judées, Samarie, Galilée euh, C'était des terres sous occupation romaine. Euh, le judaïsme ancien de l'époque était un euh, était d'une certaine façon un peu en implosion, euh, déchiré par des tas de courants contradictoires, des courants qu'on va dire apocalyptiques, c'est-à-dire qui attendaient comme une fin de l'histoire. Euh, et l'idée forte de tout ça, c'était qu'effectivement il y avait une attente, euh, l'attente de quelqu'un qui reviendrait, et qui et, et, et on allait puiser cette attente, le souvenir de cette attente dans les textes précédents, c'est-à-dire dans les textes bibliques, notamment les textes prophétiques, qui annonçaient le retour de quelqu'un. Le retour d'un... Alors on ne savait pas si c'était... C'est ce que dit le petit texte. Hein. Ce petit film, on ne savait pas si c'était un dieu, un prêtre, un guerrier, un roi, celui qui allait restaurer le royaume de David, ou un prophète comme Élie ou Ézéchiel. Voilà. Et donc toutes ces questions, ça n'a l'air de rien, ce petit film et, et ce texte. Mais par exemple, tout ce que vous avez entendu, c'est euh, des, des idées, des textes, des images qui viennent, C'est pour moi qui les ai inventées tout seul, qui viennent par exemple de toute la tradition talmudique, puisque la tradition talmudique a... Hein, d'une certaine façon qui est un peu plus tardive que la tradition évangélique d'ailleurs mais c'est un peu le même mouvement et euh, cette tradition a recueilli effectivement euh, les images les expressions les mots de cette attente Par exemple, quand on dit bah, le Messie on le voit euh, est-ce que c'est l'air de nos narines est-ce que c'est une, une plante qui pousse est-ce que c'est je ne sais plus ça se trouve dans le dans le Talmud effectivement Ou cette idée est-ce que ça serait un roi un guerrier c'est aussi des débats que l'on rencontre dans les discussions midrashiques Etc. Et que l'on rencontre aussi dans l'évangile d'ailleurs, bon, euh, dans les textes évangéliques. Donc, moi, j'ai puisé à toutes ces traditions et dans le texte évangélique pour essayer effectivement. Alors, ça tient plus effectivement du poème en, en quelque sorte, puisque moi, je voulais pas raconter, euh, euh, voilà, et un jour euh, à Bethléem, Jésus est né, etc. Puisque je pense que c'est une erreur grossière et fondamentale et qu'il faut absolument euh, faire entendre ces récits comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des textes. Euh, des textes de littérature d'abord et avant tout parce qu'il y a une littérature biblique et c'est une littérature et que ces textes jouent comme tout grand texte de littérature et notamment comme tout grand texte de l'Antiquité sur des figures sur des thèmes et c'est ce que je voulais faire entendre et deuxième chose c'est en tout cas c'était c'était une volonté je ne sais pas si on y est arrivé vraiment c'est faire entendre que ces questions c'était des questions qui peuvent se formuler aujourd'hui avec des intensités contemporaines. Voilà, c'est pour ça qu'on ouvre par exemple ce petit texte mais voilà euh, face au chagrin ou face à la déception ou face euh, ça peut être la déception historique, la situation dans laquelle on est aujourd'hui ou une situation personnelle voilà. qu'est ce qu'on a face au chagrin voilà. qu'est- ce qu'on peut attendre et qu'est ce que c'est que l'attente dans le chagrin ou dans le désespoir ou dans la déception voilà et c'est ça qui va ouvrir le texte voilà et chacun des épisodes d'ailleurs commence sur une question une question existentielle en fait euh, alors là ça, là c'est justement l'attente devant le, le désespoir qui peut nous habiter pour telle ou telle raison euh, une autre fois ça va être euh, la, la, la quête du bonheur ou la question de la joie qu'est ce que c'est la joie comment formuler la, la joie ça peut être aussi alors ça c'est c'est la fin, ça, un, un, un peu la fin de l'histoire, euh, la passion du Christ. Comment raconter la passion du Christ Ça a été la chose la plus difficile pour moi. Voilà. Est parce que je... Et en fait, finalement, c'était aussi ce qui est le plus simple, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe euh, devant la perte euh, d'un être aimé ou apprécié, et euh, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait avec la disparition de l'autre voilà. Et pourquoi cette disparition c est, c est... Et je pense que ces questions, c'est des questions que tout le monde peut entendre, que tout le monde peut vivre et a vécu. Euh... Et qu'à partir de là, on essaye de montrer comment euh, le, le, le texte évangélique, euh, finalement, le, le, le texte des Écritures, euh, les, 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 les images, les figures, les mots que, que ces textes-là ont apporté à ces questions. Voilà. Mais du coup, ça vous oblige à vous approprier les textes. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes plongé euh, dans les évangiles Parce que y a. Une synthèse effectivement de la pensée. Il y a même un remaniement de la pensée qui, qui, qui devient un poème. On n'est pas en train de lire les Évangiles, comme vous dites. C'est pas une vie de Jésus. C'est vraiment l'histoire d'une parole. Euh, euh, moi, je me pose une question comment vous avez effectué ce travail en fait Est-ce que vous avez vous avez relis, relu pardon les Évangiles euh, Est-ce que vous Est-ce que ce sont des textes qui sont aussi très personnels euh, Comment vous avez abordé ce travail bah, Moi, je m'en suis sorti que en me disant écris quelque chose qui sera effectivement personnel en tout cas dont, dont, dont voilà c'est ce qui vous touche personnellement voilà, j'emporte la, la oui. tierre paternité même si c'est raté tant pis c est, c est, c est... non mais, pas non, le non cas. mais voilà non mais parce que ça voilà parce que ça changeait puis c'était le défi le plus intéressant puisque temps d'autres d'autres avant l'ont fait même très bien beaucoup mieux que je pourrais le faire finalement raconter une vie de Jésus historique pour ceux que ça intéresse il y a un très grand livre d'un théologien d'un exégète et théologien allemand qui s'appelait Gert Tyson qui est mort un Livre qui s'appelle L'ombre du Galiléen, voilà c'est un, un livre assez exceptionnel euh, sur la vie de Jésus, restitué dans un contexte historique. Euh, voilà, bon, ça c'est vraiment passionnant. Bon, après, il y a eu des vies de plein de vies de Jésus, oui. euh, mais euh, là je, je voulais pas faire ça. Voilà, je, je voulais montrer comment finalement, même oui, pour moi, c'était quelque chose qui était euh, qui pouvait me toucher. Moi, et ce que je disais tout à l'heure, montrer que ces textes ont une résonance de toute façon, que vous soyez croyant, non croyant, peu importe, une résonance dans euh, la problématique de l'existence de chacun, et aussi la problématique de l'existence des communautés qu'on peut former entre nous, puisque la question de la communauté, c'est une question qui traverse tous ces textes, euh, puisque c'est aussi la naissance d'une communauté, ces textes-là. Hein, ça raconte la naissance d'une communauté euh, dans, dans sa difficulté. Hein, c'est pas simplement... Euh, voilà donc euh, et alors et Après, il fallait travailler avec un illustrateur, oui bah, qui est plus qu'un illustrateur, en l'occurrence ici, en tout cas. Et euh, moi, ce que j'ai dû faire, et c'est ça qui m'a beaucoup aidé, j'ai dû lui raconter euh, un peu ce que je pensais alors comment ça se passait justement cette collaboration <laughs> On que, textes, Comme en fait. vous l'avez très bien dit, un... moi je suis rentré dans un univers pictural enfin aussi puisque un univers esthétique qui est l'univers de Serge, euh, qui, comme vous le dites, est quelqu'un qui, qui travaille beaucoup avec le trait. Il dessine pas, euh, euh, il travaille sous forme de collage. Et par exemple, il a eu cette idée, euh, qui est une idée. Alors, peut-être parce qu'on en a parlé ensemble, peut-être parce que je lui ai dit en gros ce que je viens de vous dire. Il a eu cette idée de, 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 de se servir d'images qui venaient d'univers très différents. Euh, vous, vous verrez que dans certains épisodes vous avez les, les gratte ciel d'une ville contemporaine oui. qui peut être new york ou je sais pas quoi ou shanghai peu importe euh, vous avez des voitures vous avez mais aussi tout d'un coup vous avez comme vous avez vu là des personnages qui évoquent vaguement des personnages historiques et tout ça finalement dans, il est arrivé à une espèce d'harmonie étrange de collage de de, 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 de de choc un peu entre différents univers euh, euh, esthétiques et ça donne je trouve moi quelque chose de très contemporain et il fallait de toute façon avoir un traitement qui tire vers l'abstrait, puisqu'on ne voulait pas représenter les choses. Et la grande question qu'on a eue, c'est faut-il représenter Jésus Alors, en fait, au début, Serge ne voulait pas. Il voulait, et vous verrez dans le livre euh, que au début, c'est un petit personnage qui n'a aucune qualification qu'on ne reconnaît pas. Euh, on le sait parce que bon, quand on lit le texte, on voit que ça doit être lui. Et progressivement dans le livre, effectivement. Euh, la, la, une certaine représentation euh, arrive, par exemple ce, ce portrait là qui est en couverture. Oui, qui est euh, assez, assez frappant d'ailleurs. Voilà, arrive vers la fin du livre, effectivement. Et donc il y a ce travail aussi presque esthétique qui raconte quelque chose. D'ailleurs, ça raconte quelque chose de très vrai d'un point de vue exégétique et théologique aussi. C'est que euh, cette figure-là de Jésus, elle apparaît progressivement. Il n'est pas reconnu tout de suite. Hein, puisque le, le premier épisode c'est l'attente et le deuxième épisode c'est l'inattendu, je me suis pas euh, trop cassé, <laughs> c'est l'inattendu parce que la grande question, c'est ce que disait Pascal euh, euh, Jésus est venu euh, euh, dans, une, dans, un, dans un éclat qu'on n'attendait pas. Voilà, c'est à dire que euh, c'est à dire que le, la, la grande question de ce personnage, même d'un point de vue littéraire, euh, c'est à dire que c'est pas celui qu'on attendait, voilà. en tout cas, ce n'est pas ce qu'on attendait. Voilà. Et toute la tension dramatique des évangiles, de toute façon, ça va être ça. Voilà. Et c'est quelque chose qui est très proche de chacun. Chacun peut vivre ça. On espère quelque chose, et ce qui vient n'est pas forcément ce que notre espérance a projeté. Et il faut faire peut-être un travail personnel oui, parce que... pour essayer de, de, de s'interroger sur, mais finalement, est-ce que j'attendais, est-ce que l'objet est que j'attendais en tout cas l'objet que je me figurais dans mon espérance est-ce que c'est vraiment ce que j'attends est-ce que c'est vraiment ça qu'il fallait attendre ou est-ce que c'est vraiment ce que j'attendais là vraiment ou est-ce que finalement l'espérance n'est pas là pour construire autre chose que l'objet fantasmé de mon attente voilà enfin pardon c'est un peu c'est je... le sujet de ce livre aussi, mais justement, c'est parce qu'effectivement, on se replonge à cette époque au premier siècle où euh, vous le dites, il y avait aussi euh, d'autres euh, prêcheurs euh, itinérants. On voit Saint Jean le Baptiste euh, qui était là avant Jésus. Euh, c'est une époque effectivement d'effervescence messianique, donc euh, euh, il y en a eu plein d'autres, euh, des prêcheurs comme ça. Et ben, alors pourquoi <coughs> pourquoi Jésus euh, a-t-il percé et pourquoi de, 2000 ans après? Euh, son discours et ses paroles sont toujours actuelles. Bah, je vais essayer de répondre le plus simplement possible et sans faire trop que, Oui, c'est une vaste question. Et je sais. On n'en croit pas. Non, mais euh, d'abord, la première chose, c'est qu'effectivement, euh, ce Yeshua euh, vient, euh, vient donc du, milieu, du milieu du judaïsme ancien. Alors, on raconte dans les évangiles et dans toute la tradition qu'il était galiléen, qu'il est venu en Judée. Alors, bon, donc il y, a, il y avait une opposition à l'époque entre ces deux régions, même avec une troisième région qui est Samarie, qui sont quand même les trois grandes régions des royaumes de Juda et d'Israël du, du temps des derniers rois euh, hébreux, des, des, avec le royaume d'Israël et le royaume euh, de Juda et la région de Samarie qui était associée à, à Israël. Mais là on est en gros ainsi, enfin, de moins 100 à, à 0. Euh, de notre ère et on est sous domination romaine. c'est le monde romain qui a conquis tout ce monde du proche orient comme tout le monde entier. et le monde à l'époque, c'est les frontières. les frontières de l'empire romain. on est sous domination romaine. donc on est sous contrôle de l'armée. c'est un, un pays occupé. et effectivement, depuis 500 ans, les juifs ont eu, grâce à cyrus, empereur perse, ont eu le droit de retourner à jérusalem après leur exil à babylone. il y a plus de 500 ans avant. Et on est donc il y a à la fois un pouvoir religieux et politique juif euh, qui se concentre à Jérusalem. Et ce pouvoir lui-même d'ailleurs est un pouvoir contesté par par d'autres par, par d'autres courants juifs ou judéens comme on dit plus exactement parce que le mot juif est plus tardif. Hein. Mais donc et donc c'est des courants euh, en opposition dans un pays sous occupation romaine, donc sous occupation étrangère, avec une loi romaine aussi, c'est très important. Et dans ce monde-là, euh, le judaïsme va se transformer. Le judaïsme est en train de se transformer. Et ce qu'on voit quand on lit les évangiles, enfin, moi, ça m'a frappé en relisant c'est qu'effectivement, on a, euh, tous, toutes ces dernières années, on a eu l'idée d'un prêcheur itinérant, parce qu'effectivement, à l'époque, il faut imaginer euh, il y avait des, des tas de prêcheurs itinérants qui, qui passaient dans les campagnes et dans les, et dans les premières synagogues. Et dans les... Mais quand on relit les Évangiles, franchement, alors ça c'est très personnel, enfin, je suis pas le seul à le dire, hein, mais c'est que finalement, on découvre quand même que ce Jésus, ce Yeshua était peut-être pas si marginal que ça et pas si itinérant que ça. Vous verrez que si vous relisez attentivement les Évangiles sous cet angle-là, vous voyez que il ne fait que entrer dans les synagogues et aller au temple, et il ne fait que discuter. Voilà. C'est quelqu'un qui a attendu, donc à mon sens, ça devait être un maître. Un, un, comme il est appelé dans les évangiles, il est appelé rabbi, hein, c'est-à-dire à, à l'époque, ça voulait dire maître, c'est celui qu'on allait voir, et c'est celui avec lequel on discutait de la loi, de la Torah. C'était très important, puisqu'il fallait adapter la Torah à la vie de tous les jours, à la vie de la communauté, à ce qui se passait. Et euh, tout, le, tout le débat évangélique va se, va se jouer là. Et la parole de ce Yeshua va être une parole de... Une parole de contestation d'une certaine façon de l'interprétation, on va dire, peut-être classique de la Torah, qui est à l'époque l'interprétation pharisienne. Les pharisiens, c'est un groupe important qui détiennent euh, le, la, enfin, la direction, le, 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 qui détiennent le temple de Jérusalem. C'est en même temps un courant du judaïsme de, de l'époque relativement ouvert. Hein, c'est pas mais, mais voilà. Et il y a même certains historiens exégètes qui pensent que Jésus était issu d'une famille pharisienne d'ailleurs ce qui serait confirmé, puisqu'à sa mort, celui qui va reprendre la mémoire de ce Yeshua, c'est son frère Jacques. Et son frère Jacques est au Temple de Jérusalem et crée à Jérusalem la première communauté euh, qui se revendique, la première communauté juive, hein, parce qu'on on est, on est toujours dans le judaïsme à ce moment-là, hein, la, la, la première communauté judéenne qui se revendique d'une filiation avec ce Jésus, euh, en le reconnaissant comme Messie. Des gens qui se faisaient reconnaître comme messie à l'époque, il y en avait plusieurs, ce pas du tout le seul. Alors pourquoi on est arrivé à lui Pourquoi il est devenu celui qu'on connaît maintenant et dans toute la tradition Si vous voulez, tout ça se passe a posteriori. Voilà, tout ça va se passer après. Donc ce livre ne raconte pas vraiment ça. Je ne dis pas qu'on va faire un troisième livre, ce serait trop compliqué. Mais euh, ça passé. C'est un système de réception, de transmission. C'est une tradition qui va s'élaborer. Euh, elle naît à Jérusalem après la mort de ce, de ce Yeshua avec Des témoignages disant que finalement ce Yeshua était probablement le Messie attendu, donc on revient à cette question de l'attente qui était très 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 importante à l'époque. Il y a des révoltes, des révoltes très très sévères, des révoltes judéennes contre l'occupant romain, contre aussi d'autres factions juives. Euh, il y a eu tellement de révoltes d'ailleurs qu'en 70 les Romains décident d'écraser tout ça, de détruire le temple. Euh, voilà, et ça va être la naissance effectivement d'un grand mouvement de diaspora euh, du monde judéen dans tout euh, l'orient ancien euh, sachant et j'en finis là-dessus parce que c'est un peu trop sachant que la di diaspora judéenne était déjà très importante dans tout l'orient ancien euh, dès le 3e siècle avant Jésus-Christ euh, il y avait par exemple une diaspora très importante une diaspora juive très importante à Alexandrie en Égypte il y avait une diaspora juive très importante dans le monde perse euh, et que finalement, par la suite, et donc ce qui explique, c'est pour ça que je dis ça, ce qui explique aussi que par la suite, ces disciples de Jésus euh, qui vont se réclamer chrétiens, euh, Christianos en grec, qui, est un, qui était un sobriquet donné à, à ces, ces factions-là. Voilà, donc ils vont prendre ce sobriquet et s'en revendiquer, et euh, ils vont prêcher non pas non plus à Jérusalem parce qu'on ne peut plus, on ne pouvait plus. Ils vont aller prêcher dans tout le monde de la Méditerranée. Et ils vont suivre ce mouvement de la diaspora juive dans toute la Méditerranée. Et celui qui fera ça, c'est Paul. Alors, je ne pense pas, je ne dirai jamais que Paul est le fondateur du christianisme, mais c'est celui qui a essaimé, qui a en quelque sorte universalisé un message qui était un message profondément judéen, profondément juif, qui n'était pas fait pour être universalisé comme ça. Mais c'est les conditions d'une certaine façon historique de L'implosion de ce monde qui ont fait que cette parole allait tout d'un coup avoir un retentissement dans tout le monde méditerranéen, puisqu'ils iront jusqu'à Rome, etc. Voilà. Alors, au-delà, comme ça, que ce Jésus devient le Jésus, ben, Jésus, finalement, c'est comme ça que ce qu'on va appeler le christianisme, finalement, pas avant le 4e, 5e siècle, donc quand même très tard, très tard après, va, va se constituer et l'autre grande chose, il ne faut pas me lancer là-dessus. Je... <laughs> bah ben, si, justement. Non, l'autre grande chose, c'est que, et c'est important, parce que c'est en lien aussi avec la Torah, la Torah écrite. Hein, le... C'est-à-dire qu'on a décidé, et c'est une grande décision, euh, on a décidé de fixer par écrit ces paroles et ces témoignages, et d'en faire des textes qui devaient circuler, qui devaient être appris, qui devaient être chantés, qui devaient produire des liturgies. Euh, sur le mode justement de la, de la, de la, de la Torah hébraïque, hein, en quelque sorte, à tel point qu'il y a eu tout un mouvement de canonisation des textes, puisqu'on ne pouvait pas non plus se réclamer de plein de textes, et que le, ça a été un mouvement parallèle, hein, la, 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 toute la Torah juive s'est canonisée à partir de cette époque en réaction euh, à ces textes chrétiens qui progressivement, euh, le canon chrétien euh, fixe définitif, date de la fin du Ve siècle. Et le, 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 la canonicité des écrits juifs, en tout cas aussi, a été parallèle à ce, ce mouvement-là. Donc l'écriture va être un vecteur considérable avec l'invention, enfin l'invention était déjà inventée, mais la, la popularité euh, de... Euh, on passe du, -moi, là, coup, on passe du, du, du volume, euh, de, du, on, on passe des rouleaux au codex. L'invention voilà. du codex a été un puissant vecteur de, de, de création de ce qu'on va appeler le christianisme. C'est très important. Alors, merci pour toutes ces explications qui sont absolument passionnantes. Effectivement, donc là, on a vraiment le contexte euh, dans lequel a circulé euh, la parole de Jésus. Mais euh, ce qu'il y a au fond de cette parole, euh, c'est vrai que quand on relit les évangiles, quand on lit simplement euh, votre livre euh, où justement la réécriture permet d'aller au fond de la parole, parce qu'il est quand même question de sa parole, euh, c'est d'ailleurs le personnage principal du livre, hein, c'est vraiment euh, son message. Quoi. Et euh, on se rend compte effectivement qu'il dit des choses euh, qui, qu'à l'époque personne d'autre ne disait. Non, ça, ça je pense pas, non, justement. Enfin, vous, vous pensez... C'est décevant, mais c'est. Ah, non, mais alors. Euh... Je pense qu'au contraire, d'abord, on sait qu'il y, y avait un grand, grand rabbi à l'époque, ben, pas tout à fait à l'époque du ju mais presque, enfin, à quelques années près, qui était Hillel. Et si vous lisez dans le, dans le Talmud ou après dans les, dans, euh, dans, dans les Midrash, le, 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 ce que disait Hillel, euh, c'est exactement pareil. Par exemple, la, la règle d'or, c'est-à-dire il faut aimer son prochain comme soi-même, etc. Ce n'est pas du tout une invention de ce Jésus. C'était déjà toute une parole qui circulait. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre C'est il y a un travail interprétatif constant. Voilà. On doit toujours interpréter ce qu'on a reçu des écritures, ce qu'on a lu et on les interprète et ce qui est très beau de, dans les avuj, il est toujours question de ça. On lui amène une femme adultère, on lui dit bah c'est simple, la Torah de Moïse dit qu'il faut la lapider, ce qui est vrai. Voilà donc alors bon bah on va interpréter ça. Donc il y a une discussion, une discussion très vivante, très je dirais pratique même physique. Voilà. Jésus leur dit bah oui vous avez raison, très bien, bon bah, on y va et donc mais euh, qui va lui jeter la première pierre Donc il dit bah il faut que ce soit celui qui n'est jamais fauté. Voilà. Donc, mais ça, c'est typique, typique de l'interprétation rabbinique. Voilà, typique. Si vous lisez le Talmud, euh, je ne vous conseille pas de tout lire, parce que, sauf si vous êtes passionné, parce que, mais il y a des, des histoires comme cela, il y en a partout, tout le temps. Et le Talmud est tissé d'histoires comme ça, c'est-à-dire on, on conteste la parole reçue, on la conteste, mais de façon, je ne veux dire, pas, pas pour le plaisir de la contester, mais c'est à la fois pour se l'approprier et pour la comprendre. Voilà. Euh, Moïse nous a dit ça, qu'est-ce qu'on fait de ça voilà, donc, euh, dans telle et telle circonstance et c'est le propre du mouvement pharisien, de toute façon. pour ça que je pense que Jésus était en tout cas très lié à ce mouvement-là. Et les évangiles, c est, c est, c est, ce n'est que des discussions là-dessus. Euh, euh, toutes les paraboles que donne Jésus, c'est pas des paraboles profondément originales, c'est des paraboles qu'on peut retrouver dans tout l'enseignement juif de l'époque, soit décalé. Soit... Et finalement, Jésus se sert, ce Jésus se sert de tout un enseignement euh, euh, familier, quotidien, pour en tout cas, pour, pour, pour les, à la fois les docteurs, ce qu'on appelait les docteurs de la loi. C'était quoi les docteurs de, de la loi C'était pas des juristes, c'était ceux, c'était les lettrés capables de lire la Torah et de l'interpréter. Et euh, comme on était quand même dans un monde Largement analphabète, hein, de, de, de l'interpréter pour ceux qui ne savaient pas lire ou qui ne connaissaient pas les textes. Voilà, c est, c est... Bien, Jésus est un des maîtres, un, un, un de ses maîtres. Alors il est allé sûrement plus loin que d'autres. Après, tout, tout, tout ça est très mystérieux, hein, ce n'est que, que des hypothèses. Pourquoi est-il allé jusqu'à la mort Puisque finalement, euh, son historicité n'est pas mise en doute. Justement, parce qu'on sait qu'il est mort sous Ponce Pilate et que d'autres témoignages, d'autres témoignages écrits non chrétiens, euh, notamment Flavius Joseph, Pline l'Ancien, euh, parlent très brièvement d'ailleurs, parce que c'était un épiphénomène, c'est pas du tout un événement. Euh, des gens crucifiés pour rébellion à l'époque, il y, y en avait beaucoup, euh, mais. mais on sait qu'effectivement, ce type-là a été crucifié, qu'il a été condamné par Ponce Pilate, qu'il a été apparemment livré par les autorités du temple. Bon, là, là, là ça devient plus compliqué. Mais c'est. Voilà. Et alors, pourquoi est-on allé, est allé jusqu'à le tuer euh, Probablement, effectivement, parce qu'il faisait partie de ces courants séditieux, peut-être dangereux, peut-être qu'en tout cas, pour, le, pour les pouvoirs en place. Et les pouvoirs en place, c'était le pouvoir romain qui avait le seul pouvoir décisionnaire de mise à mort. Donc là aussi, il faut, 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 faut être clair, ce ne sont pas les Juifs qui ont mis à mort Jésus, c'est le pouvoir romain qui a décidé de mettre à mort Jésus, même après, si on raconte... Que... Mais, mais en tout cas, c'est... Et après, ce qui s'est passé, c'est la mémoire de sa... C'est mé... à la fois la mémoire de ce personnage et... C'est La mémoire de sa mort, ce qui est mystérieux, c'est ça c'est pourquoi lui, pourquoi sa mort à lui a été aussi importante et pourquoi elle a eu ce retentissement dans différentes communautés. Voilà, c'est bon, ça c'est jamais l'expliquer vraiment, mais on peut faire des hypothèses. Voilà, euh, euh, je, sans, sans aller dans des après dans un discours de foi qui a un autre discours qu'on peut avoir aussi. Alors, mais, mais, donc, c'est intéressant. Il s'est passé quelque chose qui fait qu'on a tenu à faire mémoire de lui. Voilà. Alors, ça aurait pu s'éteindre aussi. On aurait pu, aurait pu avoir quelques petites communautés comme ça, qui étaient ses amis proches de lui ou sa famille, comme Jacques. Et puis après s'éteindre. En fait, c'est ce que j'ai tout à l'heure. Je ne vais pas le reprendre. Il y a eu un, un courant d'une du, énergie assez, assez forte comme ça. Et peut-être que la chute de Jérusalem en 70 euh, a, a projeté tous ces gens-là. Euh, à l'extérieur et que à l'extérieur quand vous alliez en Grèce quand vous allez euh, je sais pas en Perse en Égypte en... et même aller jusqu'en Espagne et en, et en Italie euh, là les persécutions étaient beaucoup moindres en tout cas à l'époque au début et, euh, les... et en fait quand on lit Paul c'est très intéressant que fait Paul il va voir des, des, des communautés qui étaient probablement des communautés juives et judéennes de la diaspora peut-être déjà judéo-chrétiennes ça, c Et euh, il les a, il les a évangélisé en, en, en quelque sorte. Et donc c'est ce message qui s'est, euh, qui euh, qui s'est répandu, sachant que les, les, les textes les plus anciens que l'on ait du, du, euh, du christianisme, ce sont les lettres de Paul. Voilà. La première lettre de Paul probablement date de 50 après, après notre ère, c'est-à-dire une trentaine d'années après la mort de Jésus, après la mort de mais Au-delà, effectivement, et les évangiles sont plus tardifs. Enfin, le premier évangile, c'est Marc, peut-être en 70, euh, et le dernier, c'est Jean, euh, probablement au début du deuxième siècle. Ouais. Alors, du coup, je vais reformuler ma question euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, alors, 2000 ans après, qu'est-ce qui vous touche euh, dans euh, ce qu'a pu dire Jésus ou dans ce qu'il a pu faire en fait Parce qu'effectivement, on a bien compris qu'effectivement, il enfin, y, y a eu une, une mémoire. Euh, euh, une circulation des, des écrits, euh, des témoignages qui ont fait que sa parole a perduré. D'autres avaient peut-être aussi des messages un petit peu similaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même dans, dans sa parole dont vous faites le récit dans ce livre qui est quand même particulièrement détonnante, euh, marginale euh, Ah d'abord, je, je vais essayer de, de vous répondre autrement à chaque fois. C'est ça, ça... Ben, <laughs> très bien. <laughs> non, mais d'abord, alors moi, ça, ça me frappe en tant que... Ouais, en tant que presque écrivain, enfin, pour pas trop... C est, c est, c est... On n'a pas d'autres exemples de textes dans l'Antiquité, en tout cas dans l'Antiquité de l'époque. Euh, on n'a on pas d'autres exemples de, de textes comme ces évangiles ouais. Donc effectivement, on retrouve des histoires, on retrouve plein de euh, plein de d'échos et de et on trouve en quelque sorte un, un patrimoine euh, des paraboles, des enseignements, euh, par exemple dans le dans tout l'enseignement juif de cette époque et notamment euh, qu'on qu retrouve compilé par exemple dans le euh, dans le Talmud, notamment le Talmud de, de Babylone. Euh, mais 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 effectivement. En tant que en tant qu'objet littéraire, parce que c'est important d'où ça vient des évangiles, pourquoi on a écrit des évangiles en fait Ils auraient pu écrire, je sais pas, moi, ils auraient, ils auraient pu écrire des sortes de midrash qui se seraient passées. Ou je sais pas. non, alors ils ont alors ça, 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 ça apporte deux, deux réflexions. D'abord, tout de suite, cette tradition, cette tradition juive qui va devenir judéo-chrétienne, puis qui va devenir chrétienne, s'est inscrite dans, euh, dans, euh, dans le domaine hellénistique, c'est-à-dire. On a écrit en grec. Alors à l'époque, on écrivait en grec. Le grec était la, la, la langue à la fois de la culture et des pouvoirs, qu'ils soient politiques, même finalement religieux après à partir d'un moment, et littéraire, parce que la grande littérature grecque, euh, voilà, inspiré tout ce monde-là. Donc on a écrit en grec, ce qui n'est pas évident du tout. C'était une décision. On a écrit en grec et on a écrit des objets littéraires. Que je trouve moi euh, alors ça c'est très personnel parce que quand j'en parle des exégètes ils me regardent avec des yeux ronds mais euh, mais je répète on n'a pas d'autres exemples voilà euh, de textes dans le domaine hellénistique euh, qui ressemblent à des évangiles, on n'en a pas. Alors, ça embête toujours le, ceux qui font des, des, des classifications. Là, ils vous disent ah, Mais non, mais si, c'est comme les, ce qu'on appelle les bios en grec, c'est-à-dire, effectivement, il y avait toute une tradition dans la littérature grecque des vies de gens illustres qui seront repris après dans le monde romain d'ailleurs. C'est-à-dire, on racontait la vie, la vôtre, je ne sais pas quoi, voilà, en disant il, il était merveilleux, il faisait des miracles, il, il a tout gagné, il était formidable. Voilà. Euh, mais ce n'est pas vraiment ça, les évangiles non plus, parce que comme je l'ai dit, quand on les lit vraiment, c'est plus, des, c plus des, des, des textes qui rapportent des discussions, qui rapportent des paroles, qui rapportent des échanges. Euh, alors évidemment, on raconte la vie de Jésus, mais pas exactement comme euh, si vous avez lu des vies... Euh, vous pouvez vous dire, par exemple, l'ancien écrit plein de vies. Si vous lisez des, les vies de grands héros romains ou grecs euh, dans, la, dans la littérature gréco romaine ça, ça, ça n'est ne, pas construit pareil, voilà. Et ça n'est pas ça du tout. C est, c est... Donc, c'est pas, une... pas vraiment des vies de Jésus. Les évangiles ne sont pas des vies de Jésus. Autre problème, on en a quatre. Même on sait qu'on en avait plus, qu'il y en avait plus, mais en tout cas, dans, euh, dans le canon, on en a quatre, qui sont contrairement parfois à ce qu'on croit, assez différentes et même parfois très différentes les unes des autres. Qui raconte en gros la même chose, mais quand on dit ça, on se trompe un peu. Ça raconte pas vraiment la même chose, voilà. Alors, on va dire qu'en gros que Marc et Mathieu racontent la même chose. Luc c'est déjà parce que c'est déjà un auteur très différent et Jean c'est vraiment autre chose. Voilà. Donc. Pourquoi on a donc c'est un objet littéraire, même pour répondre à ça, qui est un peu unique et qui est étrange. Et qu'on ait à partir du troisième siècle constitué cet objet littéraire à coup de discussions théologico-littéraires aussi, d'ailleurs, pour essayer de garder ces quatre textes et en faire la parole qui va être la parole, la parole de la foi de ces gens-là, c'est assez effectivement, c'est assez mystérieux et c'est assez étonnant. Donc, et après, pour répondre vraiment à votre question, c'est c'est la transmission, pour moi, qui a créé euh, l'originalité profonde de, de, de ces textes. C'est-à-dire que ces textes sont devenus un lieu de tradition nouvelle. Sont devenus, alors, quand j'ai un lieu de tradition nouvelle, ces textes sont devenus des lieux dans lesquels on va puiser euh, toute une interprétation effectivement de la religion, de la foi, mais aussi de la vie, mais aussi du rapport avec euh, ce qui nous précède, donc le rapport avec les écritures qui nous précédaient. Euh, et et, 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 et et chaque image de ces textes chaque histoire de ces textes vont devenir effectivement des éléments euh, constitutifs d'une grande tradition qui va se, qui va s'inventer, se réinventer de siècle en siècle. Hein. Donc c'est ce, pour moi c'est un foyer en quelque sorte. C'est comme un feu, c'est un foyer qui va progressivement irradier. Euh, et effectivement aujourd'hui quand on les relit, on, on est on est on est, on, on peut, ça ne peut avoir de sens que si on est touché parce que ces histoires parce que c'est parce que ces textes et ces paroles euh, peuvent nous dire encore aujourd'hui euh, bon, la réception est, 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 est un peu différente si on est croyant ou pas, mais j'ai envie de dire, peu importe ça. C'est ce, ce que je disais tout, tout à l'heure. Ce sont ces textes traversent quelque chose de très profond en nous, et c'est ce qu'on a essayé de faire en les racontant euh, par le texte et par l'image. On a essayé de faire entendre quelque chose finalement de très contemporain sur des questions qui sont des questions existentielles de toujours et qui sont relativement simples d'ailleurs. Euh, je prends, je, je, je citer plein d'exemples, mais c'est oui, oui. Euh, ce qui me permet d'ailleurs de faire euh, une très habile transition entre les deux livres que nous présentons ce soir, parce que euh, il est peut-être temps maintenant aussi de, de, de nous intéresser à, à, à votre livre, donc euh, sous l'éclat des flèches. Euh, d'ailleurs, en, en lisant les deux, effectivement, je trouvais qu'il y avait des échos euh, sous l'éclat des flèches. Donc, ce sont des chroniques que vous avez rédigées pour euh, le journal La Croix et pour euh, La Croix Hebdo entre 2018 et 2020. Et, euh, et en fait, c'est aussi une question de regard, je trouve. C'est-à-dire que ce sont des chroniques dans lesquelles vous posez un regard très personnel euh, sur des choses qui peuvent vous toucher personnellement, donc, ou sur euh, des questions de société, euh, notamment la question de l'accueil des migrants, qui est une question qui revient. Euh, donc, c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher aussi de faire le lien entre les deux, parce que, parce que, euh, bah justement, euh, sur sur l'accueil. Euh, et sur les questions de, du vivre ensemble, euh, on trouve dans votre livre sur Jésus quelques réponses. Euh, voilà, parce que c'était une grande question de l'époque, et ça, c'est important. Et d'ailleurs, effectivement, ça fait écho avec ce qu'on peut vivre, nous, pas de façon euh, similaire, similaire, parce que ça serait idiot. Il n'y a pas de bien sûr on peut pas faire d'anachronisme, mais c'est la question elle-même. On est dans une époque euh, au premier siècle, euh, euh, dans ce petit milieu euh, de, de la Palestine, dans une époque qui est très ségrégationniste. Hein. C'est-à-dire que euh, les femmes, les enfants, les esclaves, les malades, euh, ceux qui ont le Covid ou pas à l'époque, je ne sais pas si ça existe déjà, étaient exclus de la société. Voilà, euh, c'était les, les malades étaient aux portes euh, de, des cités. Et ils étaient euh, vraiment mis dans des espèces de camps euh, comme des mendiants. Et ils n'avaient il d'ailleurs d'autres ressources que de mendier. Quelqu'un qui avait la lèpre, c'était foutu. Euh, les femmes avaient un statut effectivement d'infériorité. Euh, pas faire un, un, un dessin. Tout le monde le sait euh, à l'époque. Euh, les, 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 les enfants étaient considérés. Comme des presque comme des objets hein, dans dans, dans, par dans le monde romain on, on, on voit ça très bien dire que l'enfant le, tant qu'il n'a pas atteint l'adolescence et que tant qu'il n'est pas tant qu'il ne devient pas quelqu'un qui peut être soit soldat soit s'il est bourgeois et s'il est ou de famille noble il va il va mais sinon l'enfant était effectivement euh, une personne qui n'avait pas de droit voilà donc on est dans une société et alors les étrangers les étrangers à cette époque ça allait très vite hein, si vous n'êtes de dans les évangiles vous êtes de Samarie, vous êtes un étranger. Samarie, c'est comme si je vous disais à Bordeaux, si vous n'êtes de Corrèze, c'est fini. On ne va pas vous voir. C'est exactement pareil. Hein. C est, c est, c Mais effectivement, les Samaritains étaient considérés comme des gens pas fréquentables, comme des étrangers. Et d'ailleurs, l'histoire, la célèbre parabole des évangiles, le bon Samaritain, tient là-dessus. C'est-à-dire qu'il dit, qui c'est qui va sauver l'autre, euh, le pauvre type dans un fossé qui a été détroussé et frappé et frappé à mort Eh bien, c'est celui qu'on n'attendait pas. C'est pas le prêtre du temple qui passe et qui connaît toutes les paroles de la Torah qui sont quand même d'aimer son prochain comme soi-même et, 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 et d'aller secourir l'autre. Non, on lui passe pas. C'est pas le lettré qui connaît tous les textes. Il ne s'arrête pas. C'est le Samaritain. Voilà qui est un étranger, qui est en voyage, qui prend le temps de s'arrêter, qui amène le pauvre type à l'auberge, qui paye l'aubergiste pour qu'il s'occupe du type et qui disparaît. Euh, donc la question de l'accueil dans ces textes, effectivement, ou, de, ou, ou du rapport à l'étranger, du rapport à l'autre, en fait, est, est, est toujours présente. Mais c'est pas parce que ça me fait plaisir aujourd'hui de dire ça, c'est parce que c'était une réalité de cette société là, et qu'aujourd'hui finalement, on est toujours intéressé de voir comment euh, ces textes là euh, parlent de cette de, de ces réalités là, effectivement. Et donc, et quand j'écrivais ces chroniques, comme j'étais en train de faire ce livre. Donc effectivement, les choses oui. Eux, parfois. Oui, oui, oui. Ouais. Alors donc du coup, euh, j'imagine que le travail de, de chronique, donc de texte court euh, pour un journal, je ne sais pas si vous aviez déjà fait ça avant, c'est peut-être une nouvelle expérience. Euh, ça vous a été proposé, vous avez accepté, c'est quelque chose que vous avez. Euh... Ouais, non, moi, j'avais jamais fait ça et j'avais, j'avais jamais eu envie de faire ça. Voilà. D'accord. Pourquoi parce que je trouve ça, ça me prenait du temps et que ça allait maintenant. Puis cette idée, vous allez parler de l'actualité toutes les semaines. D'abord, je m'en sentais pas capable. Je, je peux avoir des idées comme tout un chacun ici, mais pas forcément les plus intéressantes qui soient. Et en tout cas, bon, je sais pas pourquoi c'est moi qui les, qui les, qui les donnerais. Mais j'ai fait ça parce que j'étais dans un moment, euh, comment dire, un peu euh, assez proche du désespoir, on va faire ça vite. Et, et je n'écrivais plus. Et euh, finalement, cette commande, ça m'a fait du bien. Et je me suis dit, bah, chaque, chaque, jour, enfin, chaque semaine, je me mettais à ma table de travail pour écrire euh, un petit texte de 5000 signes sur un sujet. Et finalement, que ce que j'ai fait euh, J'ai hélas parlé de moi. C'est-à-dire, j'ai commencé. Pour moi, j'ai pris ça comme une espèce de journal, ce que je n'avais oui, jamais fait. Je n'ai jamais écrit de jeu. Je ne je, je compte pas en faire. Je... Mais et donc, c'est devenu pour moi comme une sorte de journal, un rendez-vous toutes les semaines où j'écrivais quelque chose. Effectivement, je parlais quand même un peu de, de, de ce qui m'arrivait et, et, et de ma situation. Bon, alors j'espère que j'ai pas fait que ça, effectivement, mais je, je... non justement c'est non, mais c'était voilà, c'est ça qui a mis la mort, si vous voulez, voilà ça. Et puis ça ça, ça, ça retrace la, la, la... aussi la, la... les deux ans, euh, voilà les deux ans, ben, entre 2018 et 2020, 3 passé 3 pas mal d'événements, de il s'est passé pas mal de choses, euh, voilà euh, quand c'est l'époque de Noël, vous parlez de l'époque de Noël, quand c'est euh, quand c'est le printemps, voilà et, et, et moi je trouve que dans ces textes courts il y a il y a quand même euh, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de liberté. Il y a des moments où vous êtes en colère. On le sent, on sent la colère. Euh, euh, ce sont quand même des textes où il y a, où il y a une tension euh, oui, émotionnelle. Bah après... euh... Voilà, moi, voilà, c'est comme ça que je les ouais, ressens. Non, mais d'abord, parce qu'effectivement, je parlais de choses qui, qui me touchaient vraiment. C'était parfois difficile, même si ça faisait du bien, justement, euh, d'en parler. Après, il y a eu des sujets un peu parce que j'étais un peu néophyte. Par exemple, bon, c'est assez marrant, mais c'est. Bon, un jour un j'écris une chronique sur le, sur le retour du loup je sais pas où d'ailleurs dans les Pyrénées bon je euh, trouve que je connais bien les Pyrénées que je connais bien l'endroit où il y avait ces histoires de loup qui, qui étaient bon puis alors évidemment il y a les célèbres débats de, avec les bergers avec... donc j'écris une chronique plutôt en faveur du retour du loup même si je, je dis que je comprends très bien les problèmes que ça pose. Alors là vous avez après parce que ça c'est le journal. Après, vous avez évidemment une série de gens qui vous tombent dessus, qui vous écrivent partout sur les réseaux sociaux, les lettres et courriers qui forcent les adresses les, les, les adresses e-mail pour dire euh, abominable type, euh, le loup, c'est atroce, etc. Et donc, tout d'un coup, j'ai été pris dans des débats comme ça. Il y a eu cela, il y a eu sur, sur les migrants, j'ai eu aussi beaucoup. Il y a eu... J'ai eu plein de, de, de... et donc euh, finalement c'était assez intéressant parce que moi je suis voilà. Je, je trouve que et ça rejoint un peu les évangiles. Je trouve que rien ne peut se faire sans, sans la discussion. Et ce que j'ai toujours essayé de, de dire ça? Voilà, dans, dans les chroniques, c'est à dire bah, très bien, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Et d'ailleurs, peut-être que je dis des bêtises, peut-être que je suis pas, mais en tout cas, discutons et que parce que la discussion c'est le lieu même. Euh, d'une démocratie possible, et en tout cas c'est le lieu même euh, d'une façon de vivre ensemble. C'est une expression que j'aime pas trop, mais bon, euh, le, le, il ne peut pas y avoir de vivre ensemble s'il n'y a pas en permanence une discussion, si on ne reconnaît pas que finalement ce n'est pas nous qui détenons la vérité dans son ensemble, mais que le, le, le fait de pouvoir vivre ensemble implique le fait de pas être d'accord, et que ce fait de ne pas être d'accord, et ça résonne aujourd'hui de façon très forte quand même, et qu'on doit accepter de ne pas être d'accord ensemble et de vivre quand même ensemble. C'est quelque chose aujourd'hui qui est un tout petit peu difficile. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Boyer. Ben merci. Merci aussi à vous. Bonne fin de soirée.